Donc là, c'est des jeunes qui ont travaillé avec Nicolas de Artist Kids. Voilà, Nicolas qui nous a proposé ces ateliers slam, qui ont été organisés donc par l'Espace Trelon, mais en partenariat avec la MJC de Bruges. Donc ils ont travaillé pendant 5 à 6 séances, pendant 2 heures, régulièrement, tous les mardis, comme ça, depuis le mois de février. Et voilà, ils ont travaillé, ils vous proposent ce soir une petite restitution de ce qu'ils ont fait. Et c'est présenté donc cette semaine, dans le cadre de la Semaine de la Langue Française. De toutes mes futilités, la règle de moi la plus essentielle est périlleuse en fait. En tout genre. Je vous souhaite une belle vie. Bienvenue. Vous n'avez peut-être pas conscience de la chance qui vôtre est devenue. Ayez confiance en notre génie pour vous surprendre en invention. Notre construction est plus qu'une simple machine, pas comme ces antiques télés électriques aux reflets pixelisés, multimédia, abrutissante télévision. Non. Notre appareil est la révolution majeure du millénaire. Affranchissez-vous de la vitesse, jouez de l'espace et du temps. Aucune frontière pour arrêter la puissance de votre esprit. C'est pour vous que nous avons asservi les lois de la physique. Et feu, mon frère jumeau, y a perdu sa vie. Paix à son âme égarée dans un parallèle excentrique. Cette cause a consumé énergie, savoir, temps et fraternité qui étaient nôtres. Mais bref, nous avons triomphé, trêve d'émotion. Voilà la quintessence en matière d'art et de science. N'oubliez jamais que vous fûtes à cet instant. Voici le fameux, le formidable, l'incommensurable, Encepha Chrono, Mind Tool Conceptor. Ouais. Merci, merci. Visionnaire, prenez place, je ne tiens plus longtemps. Qui, je dis bien, qui de vous veut nous faire visiter la Pangée? Où allons-nous donc voyager? Dans le réel du subconscient? Entre les rêves de nos consciences? Y a-t-il quelqu'un de suffisamment fou, sain d'esprit ici? Moi. Qui? Oui, qui? Venez, mon petit. Prenez votre place. Mon assistant va s'occuper de manipuler votre conscience à notre place. N'ayez crainte. Le seul risque avec cet appareil, c'est de ne plus exister. Laissez-vous aller. Cette merveille va se connecter au plus profond de votre esprit à travers la moelle épinière, jusqu'au cortex en décomposant votre système limbique. Émotions, sens et mémoire. Attention, cette traversée n'a rien d'un jeu. L'imagination d'Einstein était plus forte que son savoir. La relativité restreinte, incapable de lier l'infiniment grand et la physique quantique. On peut tous se tromper, enfin. Partons, voyageons avec les neutrinos pour filer plus vite que la lumière. Bienvenue dans une nouvelle dimension où cette machine vous réfléchit. Comment discerner l'avenir si ce dernier se résout à l'attendre? Se languir de retrouvailles inespérées, derrière un soupir qui efface mon bonheur. Je ne puis demeurer loin de temps pour loin de toi plus longtemps, protagoniste d'un amour à son bar ici. Je m'estompe à la faveur de ton souvenir et les mots pour le dire à plus de moi. Mon amour de la vie. Oh, incommensurable amour,
Mon âme siamoise, je te de blessures me déchire de ne pouvoir t'enlacer. Transperce mon âme de ne caresser la pureté contre ta peau. Chaque nuit je meurs, au réveil, entends les nouvelles du peuple qui crève de faim aux aurores. Ces nuits, ces journées loin de toi, isolée, je maudis Dieu, le diable, ma famille et la famille. Et si ton absence recouvrait le monde, je ne serais plus jeune fille, mais femme veuve. Plus une enfant, mais moins qu'orpheline. Je ne serais plus qu'un souvenir, le tien. Le mien, donc le nôtre, je t'offre mon âme. L'éphémère est à tes côtés. Mon existence futile et lancinante depuis ce jour où le destin voulut nous mener. Séparée, je le sais. L'absence, je la sens. Chaque morceau de toi me manque. Mon corps en suffoque. Je ne peux plus te le dire et de ne te voir qu'en penser. J'ai besoin de toi et ce n'est que moi que je parle. Je suis là, mon amour. Chaque jour, nous rapproche un peu plus. La folie n'est pas assez douce pour nous. J'ai l'impression de te voir et les nuits me sont plus tendres, semblent plus courtes. Et... Rêve me transperce. Ton départ est une arme. Blessé par les larmes affûtées, par le doute en personne, ton retour... Ce mot nous abuse. Amour, tant de larmes pour toi. Bonheur incertain qui miroite dans les yeux de... Mon amour. Ce chant en toi comme scintille des étoiles. Le ciel est notre hôtel selon l'harmonie de nos êtres. La voûte céleste célèbre nos heureuses retrouvailles. Cette scène inconsciente s'est ouverte. La terre peut être ronde et dépeuplée, plate qu'importe les autres mammifères. Tous les courants de mon cœur traversent le ciel avec toi. Douce lumière, mon seul repère. Sans ombre, gloire ou devoir. Rappelle-toi, mon amour. Quand nous scellions nos âmes par nos prénoms sur cet arbre. Quand il arrive, mon amour, nous vivrons éternellement cet instant. L'avenir nous attend ensemble. Et quoi qu'il se passe, embrasse-moi. L'intimité entre deux êtres pour ne faire qu'un. Le secret dans les yeux fixés du chemin. Même intimidés, gageons sur le destin pour ne croiser que nos rêves. Ce que nous partagions hier, autre moitié, montre-moi l'amour. Car mon âme sentait bien la peine. Car mon âme ne serait sans la tienne. Donne-moi la main. Mais laissez-moi faire, mes frères, toutes ces niaiseries. Mais pourquoi faire? Vous ne serez jamais mieux servi que par moi-même. Allez, merci, mademoiselle. Oui. Merci. Ça ira. À peine demandé si, pas, si on peut revenir. Cette machine complexe, cette merveille, n'a tout de même pas été inventée pour ça. Ah, mon pauvre frère. Hein? Les lémuriens atrophiés de grise matière. Laissez que je branche mon génie à la magie de cette machine. Science, alchimie dans les travers alternatifs des lois de la physique. Bien tout passé. C'est pas vrai. Oh Mimi, viens voir. Il y a plein de monde là qui nous regarde. Mimi, décidément, je suis trop vieux pour tout ça. J'ai la mémoire qui foire. Un nénuphar recouvre mes souvenirs, Mimi. Tu veux pas me dire où je suis là? Bonjour monsieur. Excusez-moi. Je dois prendre mon poste. C'est mon premier jour et je ne sais pas à qui m'adresser. Qu'est-ce que j'ai à faire? Affaires, affaires. Tu n'as qu'à faire ce que tu peux. Pion, bon, rouage entre deux mondes. Depuis que de sa main, l'homme changea pierre en outil, dompta le monstre incandescent pour se nourrir, pour voir le jour, la nuit et l'heure avant d'en conserver la trace. Tiens, voilà ta tâche. Transporte-moi ça, autre part. Isero. Il s'est
d'accomplir ce semaines par an. À l'usine, faut dire qu'elle tourne l'industrie, sans s'arranger de l'avenir projeté, en des tâches partiellement accomplies. La bourgeoise économie érigera-t-elle une statue au travail inconnu? Mais c'est ça l'évolution, garçon. Partir d'un point, arriver à un autre. Donner vie et corps à l'imagination. Canaliser le flux en rythme dégénéré. Découvrir les paradoxes. Aller percer les mystères de l'atome, ses secrets, asservir l'homme par l'homme, la nature par la science. J'y comprends plus rien à ce siècle. Tout n'est que fume et vitesse. Instrument pour gagner du temps, perdre des hommes, en tout âge que la guerre. La modernité se propage par ondes hertziennes. J'y comprends plus rien du reste. Et vous, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai vu jouer hier au cinématographe, vous savez? Ah, vous ne le pouvez pas. Un film parlant avec des sons, des voix, pas d'accompagnement musical. Il est loin d'être en gare, c'est incroyable. Ça s'appelait chanteur de jazz, sous la mémoire là. Je ne comprends plus rien, il faut se parler. D'ailleurs, n'est-ce pas l'heure de ma sieste? Parfait, imparfait, le futur pour la suite. Imprimerie, électricité, impossible. L'industrie de l'énergie propage ses incidences sur l'humanité et son incendie. En l'instabilité de ces éléments périodiques, l'avenir sur molécules atomiques, danse des nanotechnologies cyber-organiques, nucléaire, aliénation, réseau virtuel, Dieu, Internet. moi et mon frère. J'en ai marre, ça sert à rien. Je me barre, on verra bien. Allez, pousse-toi, Pépé, place à la jeunesse. C'est quoi ce truc? Ça a l'air terrible. Non, mais que fais-tu, pauvre fou? Tu vas entraîner une rupture paradoxale majeure dans le flux continuum du réel. C'est impossible! Impossible! Il faut fuir! Une imprégnation ne peut pas se connecter! Le fantôme est dans la machine! A dû fuir, c'est l'Iliade, mon fils. Un long voyage pour se battre, car jadis, il y avait les armes. Ce qu'Ulysse a dû faire, c'est de partir, mon fils. Si la vie est une force, la farce, c'est de devoir se battre. Parfois, les illusions l'emportent. Non, maman n'était pas folle, juste un peu malade, de ce monde qui ne tournait pas rond. Le retour impossible à Ithaque, c'est l'Odyssée, mon fils. Chaque parent possède 20 ans pour élever son enfant. Impossible de partir d'ici, la nature est déracinée, l'énergie radioactive, dans mes souvenirs tu es si petit. La nostalgie et le temps passent si vite. Non, maman n'était pas folle, juste très malade de ce monde qui stagne en spirale. Mon petit, mon enfant, mon garçon, aborde le monde en homme, tu es libre, et si l'air est rare, il te restera l'amour et la confiance. Où que soit l'avenir, c'est à toi de le découvrir. L'arbre ou le reste? Elle. Consonne variable, voyelle inconsolable. A. Si amère sur terre. M. La vertu, enivre-toi avec. Le slam, c'est des paroles mises en acte, des faits de lettres, des F mises en place, puis des faits. Philosophie générale ou envie compulsive? Ironique promesse vénale ou repoussante charité abusive? Toc toc squeeze, le voyage se fixe. De ce mot, jeune matelot, je n'ai la définition. Mais perché du haut de mon mât, je le revendique. Tonnerre de Brest, il rime à ma façon. Le slam claque au lasso des mots enchaînés mis en vrac.
Le slam, c'est vouloir et pouvoir. Extérioriser ce qui saoule en soi. S'extirper de tout ça. En exprimer l'intériorité. Feutre. De son nom, il ne sert à rien. De ta main, c'est le meilleur copain. À pas feutré, il tente le style pour la jalousie d'un dessin. De sa tête vient la couleur. Et de son corps vient le labeur. D'un dessin vide et sans odeur, il vient poser sa bonne humeur. Le slam, ça s'imagine pas, ça se passe. Le slam, ça se marre, ça se barre, ça s'égare, ça se casse. Le slam, pas plus de 4 lettres formant le son d'un concept. Donnant sens au partage, malgré nos doutes, nos haines. Le slam, c'est se taire. Jouer. Tout est histoire de bien jouer. Jouer, c'est tenter. Jouer, c'est se risquer. Tout lâcher ou tout gagner. Jouer, c'est aussi s'évader. Tout mettre de côté pour s'en aller. Jouer, un plaisir incertain sans forcément de lendemain. Le slam, c'est un enseignement fertile entre deux termes. Des terres austères à la versatilité de l'univers. Le slam, c'est les flammes sans brûlure, le feu sans morsure. C'est l'âme en peine, la joie pleine d'esprit. Jup. Tout petit déjà, les yeux écarquillés. Un jour, mon grand, tu pourras soulever. Longue ou courte, parfois même très osée. Aïe, le mythe se brise, grand-mère en a aussi. Ça n'arriverait pas à des vers de tergiverser ainsi. À nous la vie de verre. Partons, mes amis. Le slam, c'est le choix, l'humilité, le rire, la confiance en soi. C'est des mots apprivoisés, mis en cage pour que vous les libériez en extase. C'est des idées neuves et sauvages. Le slam, c'est une soif innée de liberté. Un bris de rythme. Et les mots se remplacent, s'enchaînent. Les êtres ne misent qu'en chèque. Et l'abîme, sans fin, inconsciemment, sème la mise en scène qui nous renseigne sur vous-même. Musique. Un son grave, un son aigu. Un son qui te berce, puis un qui te réveille. Un son clair, un son saturé. Un son lourd, un son léger. Tellement de nuances et de diversité qui, au final, n'inspirent qu'une chose, la beauté. Le slam, c'est l'intime entre deux êtres. Une poésie infinie s'évade. Ce bonheur à peine palpable. Ceux qui cherchent savent l'avoir. Ceux qui croient savoir ne peuvent qu'avoir. La poésie s'en fout, la mélodie suffit, le regard. Le slam, la preuve d'un cœur malgré bon gré. Pour l'empathie, merci de nous avoir écoutés. Eh bien alors, je vous remercie également d'être venu assister à ce petit spectacle qu'on n'a pas eu vraiment le temps de répéter comme il se devrait, mais bon, on a fait au mieux qu'on pouvait. Donc je tiens à remercier la ville de Bruges, l'espace culturel Trelon, la MJC, grâce à qui on a fait ce projet. Tous les participants à l'atelier qui ont été un peu en retard tout le temps, mais très impliqués dans le projet. Donc merci à tous, Paul, Théo, Tristan, Geoffrey, et Hugo. Et puis merci à Faustine également, merci à Nicolas de Médiacité et Enzo, merci à Magali, merci à Enzo, j'espère n'oublier personne et merci à vous encore, j'espère que ça vous a plu. Le but, c'était un atelier d'écriture tourné vers le slam, mais la mise en scène était là en fait pour un petit peu détourner le côté très dépouillé de lire un texte devant les gens, et parce que le slam, c'est une sorte de contest, c'est-à-dire c'est vraiment une configuration spécifique, donc j'avais pas forcément envie qu'on fasse ça sous forme de battle, un petit peu de texte, et pour le travail d'écriture que tous les jeunes ont participé, parce qu'ils ont un groupe de musique et ils avaient cette envie de s'exercer un petit peu à l'écriture, donc le but, c'était de sortir de soi, de créer des personnages pour pouvoir écrire de manière plus libre en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et merci beaucoup à tous.
Bon, moi je verrai ça en vidéo parce que du coup j'ai rien dit.